ici et maintenant sur 95.2 FM, sur internet ici et maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. David Abassi, écrivain, historien, philosophe, est avec vous dès 23h. David Abassi est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en 4 langues. David Abassi a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur « France-6-opinion.info ». Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20. Posez, bonsoir Pipa, comment allez-vous? On vous écoute. Oui, bonsoir roi David. Bah si, je vais très très bien, merci, et vous? Oui, merci beaucoup. J'appelle déjà parce que je n'ai pas bien entendu le nom de cette femme extraordinaire qui s'est exprimée. Alexandra qui et qu'est-elle exactement, pardon, s'il vous plaît, David? Si vous voulez, c'est sur YouTube. Vous tapez youtube.com/mertv. Vous avez ça, vous pouvez écouter et noter toutes les références de Madame Henriot Cotte. Là. Merci beaucoup de nous faire. C'est-à-dire que la diffusion sera, enfin l'émission sera rediffusée quand, David, cher David? Ça, malheureusement, moi je le sais pas. Oui, Pipa. Allô, allô. Oui, David. Oui, on vous écoute. Oui, oui. Oui. Oui, oui, je voulais juste vous remercier. Vous étiez en ligne avec le sénateur, ou je ne sais pas, c'est cela entre-temps, donc je ne savais plus s'il était à l'antenne ou pas. Non, ça s'était coupé. Après, c'est un problème technique, de quel côté, ce n'était pas de mon côté. Ça s'était coupé, et puisqu'il n'avait pas dit au revoir, il vient de m'appeler sur mon portable pour nous dire au revoir et compléter ses propos. Je le remercie beaucoup. Oui, je vous écoute, Pipa. Montagnier ou... Allô, ou du professeur Garon? Oui, oui, oui. Vraiment, merci beaucoup, parce que moi, je ne dispose pas d'Internet, donc je suis sous-informée. Heureusement que j'ai la belle Morgane l'après-midi, mais malheureusement, depuis quelques semaines, je n'ai pas pu écouter les après-midi passionnants et tous les auditeurs que j'adore, Denise, enfin tous, Spartacus, Gabriel Richard et beaucoup d'autres, David et beaucoup d'autres, Léa. Et donc formidable, parce que c'est vraiment comme vous êtes des lanceurs d'alerte, quoi. Et vraiment par rapport au plan qui se met en place sur cette planète bipédique, en tout cas, parce que la planète Terre, elle, pour moi, c'est autre chose, elle va réagir. Elle a déjà lancé des signaux d'alerte, c'est une histoire qui va mal finir pour nous. L'anthropocène, vous savez, la sixième extinction, tout ceci est possible. Donc, comme beaucoup d'idiots utiles écoutent ces gens qui sont des corrompus, des vendus, comme les Michel Simès, les Kierzek, en fait, tous ceux que les Delfrézy, qui se prennent calife à la, je sais pas, ils se croient calife à la place du calife, dans le fauteuil de la présidence de la République, je ne sais pas, à la place du président de la République, je ne sais pas. Mais d'ailleurs, je me permets une question, David, parce que vous aviez un jour dit que vous connaissiez Emmanuel Macron. Donc je me permets de vous poser la question. Vous l'avez rencontré? Vous en aviez vous-même parlé à l'antenne? Ce sont des questions personnelles et privées, et puis pas... Oui, non, c'est pas dans le cadre de la question personnelle. Vous-même en aviez parlé à l'antenne. Donc c'est un homme qui peut-être renverser la vapeur, renverser la table, qui sait. Il va bien falloir que quelqu'un ait les épaules pour renverser la table. Non, je ne vous posais pas de questions personnelles. Vous-même aviez dit à l'antenne, c'est pourquoi je me permettais, cher David, vous avez dit une fois que vous le connaissiez, mais je crois que vous connaissez... une quantité astronomique de personnages au passé. Vous êtes vous-même vraiment très brillant, donc voilà. Et donc, bon, il y a tellement d'idiots utiles. Dieu merci, il y a des radios comme celle de Didier Deplège pour faire contre-pied ou pour contrebalancer. Et puis, de toute façon, ça me fait penser à Eisenhower, qui avait quand même, le président Eisenhower, qui, je pense, était un grand homme, qui avait parlé de ce méfier du complexe militaro-industriel et autres états profonds américains, et tous ces Gates, Soros, enfin, tous ces gens. Vous avez dû, vous, à votre niveau, entendre parler du Bohemian Club, j'imagine.
parce que vous savez tellement de choses, votre culture est tellement vaste et immense, vous, ça devrait vous évoquer quelque chose, j'imagine. Et donc, toutes ces personnes charmantes qui tiennent la planète, du moins, l'hypédiste, pas la planète Terre, la planète bleue, et qui se pensent les maîtres du monde, oui, c'est vrai, nous sommes trop nombreux sur Terre, mais il y a d'autres façons de procéder que de nous éliminer de cette façon lâche, abjecte, et de nous transformer en cobayes. Donc, merci encore à Didier de Plaise, merci au roi David Abati, à la belle Morgane, et vraiment, vous êtes des lanceurs d'alerte, et merci de m'avoir fait la chance de m'avoir écouté cette femme, parce que je n'ai pas, moi, l'Internet, ni les réseaux sociaux. Donc, vous êtes ma source d'information, et sinon, bien sûr, il y a toujours des magazines, mais comme ils sont à peu près tous inféodés, vendus, corrompus, comme tous les journalistes qu'on voit d'ailleurs quasiment tous. Alors, il y a cette histoire de Sud Radio d'André Berskoff, mais je ne la reçois pas, moi, sur mes fréquences, mes petites radios. Alors, je voulais simplement vous remercier pour avoir diffusé cette interview qui est bien digne de votre niveau, de courage aussi, de lanceur d'alerte, comme Didier de Plaise. Et vraiment, merci, parce que je n'ai pas toutes les informations. Et vous êtes, vous devriez être remboursé par la sécurité sociale. Et vous êtes indispensable à faire le contre-pied de tous ces salopards qui veulent s'emparer de notre corps, de notre vie, de notre liberté, et voilà, de ce qui fait l'être humain. Heureusement, il y a des êtres, des gens bien sur cette terre, Dieu merci. Il y a des Dalai Lama, il y a des Matsurika, et des gens comme le roi David Abati, et plein de personnes comme cette jeune femme, Alexandra, je ne sais plus comment vous avez dit. Mais continuez, s'il vous plaît, sur cette lancée vertueuse. Bonne soirée à vous, David. Merci d'avoir écouté mon laïus. Merci et bon courage. Et merci pour votre courage. Et le talent de votre fille qui est vraiment, avec sa voix, très belle voix, adorable. Voilà. Merci, David. Merci. Merci, Piva. Merci. Bonsoir. Merci à vous. Merci à vous toutes et tous. Et je vous remercie beaucoup. Vous savez, sécurité sociale. Moi, depuis presque 40 ans, je veux vous dire, grâce à Dieu, j'ai bien travaillé. J'ai bien gagné ma vie en travaillant. Mais tout ce que je fais à la radio, à la télévision, écrit, c'est bénévole. Je ne gagne pas de l'argent. Même je mets de ma poche. Par exemple, voilà, ça, je veux vous dire que vous sachiez ça. Depuis toujours, même mes émissions en français, en arabe, sur les grandes chaînes internationales arabes ou des chaînes persanes, tout ça c'est gratuit. Je ne le vends pas, mais je travaillais et je gagnais de l'argent, plusieurs commerces, et j'ai payé énormément de charges sociales, voilà. C'est-à-dire énormément de charges sociales depuis 1981, 82, même ça m'arrivait à l'époque de payer 2000, 2500 euros par mois, le charge sociale seulement, je parle de charge sociale. Alors, de toute façon, sécurité sociale qui me rembourse son nom, je le remercie aussi, sécurité sociale, puisque vous savez, c'est pas pour moi, pour le monde, tout le monde qui habite ici en France. Vous savez, si vous voyagez en dehors de la France, et surtout aux États-Unis, c'est là que vous allez constater que le système de sécurité sociale français, il est formidable. Il est formidable, le système de sécurité sociale français, et il est très populaire. Il y a certains pays comme ça, mais... il n'y a pas beaucoup. Aux États-Unis, le soin pour les gens qui travaillent, ça coûte énormément cher. Et vous savez que même à l'époque, Obama, il est beaucoup combattu pour pouvoir assurer les gens qui n'ont pas l'argent, tout ça. La France, il faut le remercier, le système, les constitutions françaises, vous avez des choses que vous ne le trouvez pas ailleurs. Voilà. Ça, oui, ce que tu viens de dire, c'est que c'est socialement remboursé. Je sais que tu as plaisanté, moi aussi, en plaisantant, en disant la vérité, sécurité sociale, heureusement, travaille bien pour ceux qui sont en faillite, même grâce à nous, grâce à Jean Comte David Abasi. Pendant 40 ans, j'ai payé énormément de charges, comme je viens de vous dire. C'est tout à fait normal que si
Angelo en a besoin, grâce à Dieu qu'on n'aurait jamais besoin des choses assez graves, mais ce que le social est là, et ce social est là pour tout le monde est là, voilà. Deuxième chose qui est très intéressante en France, c'est le transport en France, le métro, RER, tout ça, les prix que vous payez, ce n'est pas cher. En plus, il y a la solidarité pour les gens qui n'ont pas l'argent et tout ça, c'est formidable. En Angleterre, il est juste à côté, à Londres. Quand vous allez là-bas, chaque jour, si vous voulez vous déplacer quelques endroits, à Londres ou banlieue de Londres, ça vous coûte plus de 10 euros seulement par jour. Alors, imaginez-vous que la France, sur certains points, est formidable. Et surtout, vous venez parler de Macron et d'autres choses. Et Pipa et les autres, vous me connaissez, vous connaissez cette radio depuis 40 ans qu'elle est là avec Didier Deplège. Je suis à côté de Didier Deplège avec Didier Deplège, mon ami, que je l'embrasse. Vous savez, sur cette antenne, j'avais des invités de prestige formidables, des présidents de la République, des ambassadeurs, des ministres, et des patrons de services de police secrète internationale, services de renseignement, directeur de CIA, directeur de Moussad, directeur patron de DGSE français, monsieur Pierre Marion. Le plus fort patron de DGSE français, c'était Pierre Marion. C'était Pierre Marion. Il était mon invité. En plus, il est venu de sud de la France. Il a pris l'avion et il est venu dans notre studio avec sa femme. On a parlé pendant 3 heures. Oh, je le remercie, il n'est plus là, Pierre Marion. Sénateur Henri Caillavé. Henri Caillavé, sénateur Henri Caillavé, IVG. Et beaucoup des lois que vous voyez en France, c'est grâce à lui. Mendès France, à l'époque, depuis Mendès France, il était ministre, sénateur. Henri Caillavé était plusieurs fois mon invité. Et le CSA, c'est rien du tout, c'est lui. Et IVG, c'est lui, puisque Simone Veil, elle était étudiante de professeur Henri Caillavé. Et lui, il voulait passer cette loi-là dans les années 50. Le Parlement n'a pas voté. Après, c'est lui qui donne cette loi à Simone Veil, et c'est elle qui va le faire passer. Vous voyez ? Beaucoup d'autres personnalités étaient notre invité. Par exemple, Pierre Marion, quand il était... Pierre Marion, une partie, comme je viens de vous dire, de mon travail, vous pouvez l'écouter sur YouTube. Vous tapez youtube.com/mehrtv. M comme maman, O comme étoile, H comme Hélène, R comme Raymond, T comme Thérèse, V, voilà, TV. Sinon, vous tapez David Abbassi sur Google et tout ça, vous avez toutes mes émissions en plusieurs langues. En plusieurs langues, en arabe aussi, les gens qui parlent arabe, ils peuvent écouter même les émissions en arabe, en français. Vous allez voir, on a eu des invités de prestige. Jacques Verger, c'était notre invité, il n'interviewait avec personne. Même Pierre Marion, il l'interviewa avec personne, il faut que je vous dise quand même là. Quand il était dans notre studio de la radio ici maintenant, journaliste de Le Monde, il l'appelle, il dit « Monsieur, ça fait plusieurs mois que nous avons envoyé plusieurs messages, on voulait vous interviewer, vous n'avez pas accepté de parler avec Le Monde, maintenant vous êtes dans une radio ici maintenant. » Il a dit « Ah oui, ici tu dois connaître David Abbassi pour savoir pourquoi je suis venu de sud de la France, seulement pour lui. » Enfin, tout ça, c'est autre chose, mais après des affaires personnelles, si je connais cette personne ou je ne le connais pas, quoi ? Alors, si je te dis que je le connais, je vais aller le dire, ah, il faut faire ça, il faut faire ça. Vous savez, quand vous êtes responsable, une petite responsable d'une petite boutique, hein, pas l'État, ou de la mairie, je sais, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Puisqu'il y a énormément de pièges, de contraintes, des problèmes. Vous n'êtes pas libre dans vos activités. Quand vous avez, par exemple, même un radio, quand vous avez... Si le téléphone il tombe en panne, qu'est-ce que je peux faire? Si un ordinateur tombe en panne, qu'est-ce qu'on peut faire? Si le téléphone que vous téléphonez de temps en temps, ça tombe en panne. Vous voyez? Alors, un président de la République aussi, il est au courant de plein de choses. Mais je veux vous dire quelque chose. Nous sommes toujours comme cet être humain, il est comme ça partout. Partout. En Afrique, en Europe, en Occident, en Orient. Nous ne voyons pas
le bilan de l'individu, son bilan, il faut regarder son bilan. Par exemple, un jour, vous allez savoir pourquoi il a dit nous sommes en guerre, dès le départ. Mais après, il ne peut pas dire, il ne peut plus le dire ça. Il ne peut plus dire que nous sommes en guerre. Parce que dès qu'il a dit nous sommes en guerre, on a volé les masques, plusieurs millions de masques, on voulait les ramener ici. Après autre chose. Il y en a énormément de choses que je ne veux pas le dire, il ne faut pas le dire. Quand vous êtes en guerre, le secret, c'est très important, le secret militaire. Il est patron du pays. Sur certaines choses, vous pouvez constater qu'un jour, on dit, oh, le vaccin, pourquoi il n'y a pas de vaccin, 3 millions seulement le vaccin, 2 millions. Et de l'autre côté, on dit, oh, vaccin, c'est ça, vaccin, ceci. Alors, voyez, c'est une balance. Il faut garder de deux côtés. Enfin, certaines choses aussi, certains propos aussi, surtout que, comme nous sommes en guerre, je ne peux pas vous dire. Mais je vais vous dire une chose. La trahison dans l'État français, c'était très peu. Que quelqu'un, il trahit son pays, un président trahit son pays, c'est très peu. Mais on va parler peut-être de Nicolas Sarkozy tout à l'heure, si vous avez envie d'en parler. Mais je vais vous laisser parler. Vous aurez le temps à composer 08 92 23 95 20. Mais ils ont peut-être trahi d'autres personnes, mais en faveur de l'économie française. Par exemple, Giscard d'Estaing, je le connaissais aussi, Giscard. Et Giscard, c'était un des poignets assez forts au Guadeloupe, parmi les jet set, qui a fait chuter le Shah d'Iran. Personne ne le sait pas, ça. On parle des Américains, on parle de ça. Giscard d'Estaing, moi j'ai dit à lui, lui non plus, il n'a pas contesté, il a dit, David, on était piégés. Il a dit qu'on était piégés, il y avait tellement des informations contre Shah d'Iran que c'est après qu'on a compris qu'on était piégés. C'est Giscard lui-même qui l'a dit. Alors, piégé par qui actuellement? C'est qui a profité de la République islamique et la révolution islamique? Le monde entier, qu'il soit l'Amérique, qu'il soit la Russie, qu'il soit tout le monde. Même Giscard, il était endetté envers le Shah d'Iran. Après le chute, l'endettement de Shah d'Iran et de la France... On n'a pas payé jusqu'à maintenant, on n'a pas payé. Et il y avait de l'argent de Duran partout. Mais lui, il n'a pas trahi la France, Giscard. Peut-être il a trahi l'amitié avec Shah d'Iran, mais pas la France. C'est en faveur de la France qu'il a travaillé. Pour ça, la trahison dans l'État, il n'y en a pas en France. Il n'était pas jusqu'à maintenant, vous voyez. Mais il y a certains, bien sûr, les gens qui sont un peu plus bas, qui font des choses, qui font ça, patate. Après lui, il contrôle. Si Macron, il était dans les 100% esclaves de la mondialisation, on ne faisait pas énormément de manifestations contre lui, on ne voulait pas le pot de Macron tous les jours. On a voulu le tuer. Dès que l'histoire de Gilets jaunes a commencé, moi, mon bureau, il est aux Champs-Élysées. Je passais tous les jours, je voyais que tous les week-ends, la totalité de... Et Palais d'Élysée, Faubourg Saint-Honoré, Champs-Élysées, Concorde, étaient murés. Puisqu'on avait peur d'attaquer Élysée, tuer le président. Enfin, c'est quoi ça? Oui, il y a certaines choses qu'il faut bien y réfléchir, mais il faut contester. Il faut toujours aller contester, comme j'ai dit à M. Jean-Philippe Biron, lui aussi, ex-directeur de Chambre et Sénat, il dit, il y a des questions. Alors, il faut poser des questions, il faut trouver des réponses, des spécialistes il faut qu'ils répondent. Il y avait toujours conflit des intérêts des ministres, des responsables avec des trucs de pharmaceutiques, patati, patati, toujours il y avait. Il y a aussi en France, sur cette antenne, vous pouvez parler toujours. Personne ne vous censure pas. Maintenant aussi, vous pouvez parler. 08 92 23 95 20. Ça doit se régler ici et maintenant. T'as raison, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95 FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Retrouvez l'émission animée par David Abbassi.
tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Nous avons Sylvie avec nous, mais avant que je prenne Sylvie, seulement 30 secondes, mes chers amis, un conseil. Ne dites pas toujours que je ne connais pas l'Internet, j'ai pas l'Internet. À ce jour-là, aujourd'hui, ici et maintenant, si vous ne connaissez pas l'Internet, si vous ne pouvez pas travailler à l'Internet, vous ne pouvez pas vivre bien. Allez-y, apprenez l'Internet et utilisez l'Internet. Après, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Moi-même, j'avais l'honneur en France de créer la première école de l'Internet en France dans les années 1990, c'est-à-dire 1995-14 exactement. J'avais 3-4 points d'Internet. J'apprenais l'Internet et je donnais l'accès libre, l'utilisation de l'Internet, mais je ne le fais plus. Mais vous devez l'apprendre et utiliser. Ce n'est pas une fierté. Comme à l'époque, on disait « j'ai pas de télé », on vous disait que « j'ai pas d'Internet, je ne l'utilise pas ». L'Internet, c'est très important. Essayez d'apprendre et d'utiliser. Sylvie, bonsoir, comment allez-vous? On vous écoute. Oui, bonsoir. Ben, écoute, ça va, hein. Il faut aller. Et puis, ben, heureusement qu'il y a Internet, hein, voilà, pour s'informer. Mais David, ce que je voulais te dire, parce que je t'ai... Alors oui, ben, pour appuyer ce que je vais dire, je vais reprendre une parole qu'a dit le fils de Robert Kennedy, c'est-à-dire Robert Kennedy Jr., a raconté que son père, qui était, tu sais bien, il a été assassiné, il était ministre de la Justice, lui avait dit « ne fais jamais confiance aux politiques parce qu'ils mentent toujours ». Donc méfie-toi. Et moi, dans les années 1980-82, donc j'avais une amie qui connaissait une dame, une dame qui avait une grande villa dans une île des Caraïbes. Et elle lui avait raconté que, je crois, année 1975, comme ça, il y avait eu une réunion au bord de sa piscine. Il y avait Giscard d'Estaing, il y avait Helmut Schmidt et il y avait Gerald Ford, hein, dont le vice-président c'était Nelson Rockefeller. Et à cette réunion, ils ont décidé de laisser tomber le Shah d'Iran. Allô? Ben oui, c'est vrai Sylvie, ça j'avais dit plusieurs fois, tu sais, ce n'est pas là exactement qu'ils ont décidé. C'est une décision qui a été prise par certains pays après la crise pétrolière de 1972. Après ça, à Guadeloupe, exactement, à Guadeloupe, ils ont fait une conférence quelques semaines avant que Khomeini entre en Iran, et les sept... À l'époque, c'était cinq. Cinq grands pays du monde, qui étaient Jimmy Carter présent, Giscard présent, James Callaghan présent, etc. Les cinq, ils ont décidé de faire chuter le Shah d'Iran, le remplacer par l'Ayatollah Khomeini. Et ils ont, comme j'ai dit au départ de mon émission, ils ont payé plusieurs millions à Ayatollah Sistani pour entrer en Irak. Ils ont payé plusieurs millions, parce que ça aussi, c'est Reagan qui l'a dit, Ronald Reagan, qui est vivant, je crois, non, il est mort, Ronald Reagan, il a dit, ils ont payé à Ayatollah Khomeini quand il était à Paris, ils l'ont financé et ils l'ont envoyé en Iran. Vous avez raison tout à fait, Sylvie. Hélas, oui. Bon, enfin, on espère, on prie pour que la justice, voilà, la vérité arrive. Hein, puisque, comme on dit, la vérité prend l'ascenseur. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais elle finit toujours par arriver. c'est vrai, Sylvie. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour tout.
Merci, merci. C'est moi que je vous remercie. Miss Sylvie, bonne soirée. Merci pour votre information qui était très intéressante. Oui, c'est vrai, vous savez, la mondialisation que vous le voyez aujourd'hui, ici et maintenant, la mondialisation, ce n'est pas question d'aujourd'hui. Ça existe depuis plusieurs milliers d'années. On organise des choses, on programme des choses. De temps en temps, on réussit. De temps en temps, on ne réussit pas. Après, pour nous parler des fois, les acteurs de cinéma politique que vous voyez, lui, il n'est pas l'acteur principal. Il est piégé. Il est piégé, flatté par les autres informations qui étaient autour de lui. C'est pour ça que Giscard, il m'a dit, « Ah, oh, on était piégé. On a hauteur de faire chuter Shah d'Iran. On était piégé. Puis, on vous piège. On vous fait des cinémas. Et vous tombez dans les pièges de cinéma. C'est un peu compliqué. On ne va pas y entrer. Je vais vous donner encore la parole. Essayez de nous appeler, de vous exprimer. Il y a énormément de choses à dire. Par exemple, même sur Nicolas Sarkozy, vous pouvez me dire, si vous avez des choses à dire. Pourquoi il a été condamné réellement? Pourquoi il a été condamné? Et, etc. 08 92 23 95 20. Fabrice, tu as regardé l'interview, moi aussi. Et il y a, comment dire, quelques imprécisions de l'ancien président qu'il faut corriger. Hein. On va donc fact-checker Nicolas Sarkozy. Mais d'abord, sa prestation en un mot. Fabrice, est vraiment en un mot. Trumpien. Trumpien. Alors, premier extrait, d'abord de Nicolas Sarkozy sur les faits qui ont été jugés. Il n'y a pas d'indice au pluriel. Il y a eu 7 ans d'enquête où tout a été fait. Et la seule chose qui reste, c'est des bribes de conversations téléphoniques avec mon avocat, où on me prête l'intention de faire une démarche en échange de renseignements sur un poste. Je n'ai pas fait la démarche. Monsieur Elzeber n'a pas eu son poste. Et moi, je n'ai pas eu la décision que j'attendais. Fabrice, Nicolas Sarkozy dit qu'il n'a pas fait la démarche et qu'il ne reste que des bribes de conversation. Ouais, alors pour qu'on rappelle quand même à tous ceux qui nous regardent, Nicolas Sarkozy était accusé d'avoir obtenu illégalement des informations confidentielles de la part d'un magistrat sur une affaire qui le concernait. En contrepartie de quoi, il a promis de l'aider pour obtenir un poste sous le soleil de Monaco, le tout par l'intermédiaire d'un avocat qui se trouve être l'avocat et ami Nicolas Sarkozy, maître Thierry Herzog. L'avocat, le magistrat et Nicolas Sarkozy ont été condamnés pour corruption et trafic d'influence et ils ont fait appel du jugement. Nicolas Sarkozy est avocat de profession. Est-ce qu'il peut vraiment... Alors, on va arrêter Fabrice Arfi, Mediapart, journaliste scandale... À ce sujet, si vous avez l'internet, faites des recherches, vous allez voir Mediapart est lié avec quel mouvement international. Ça sera autre chose. Mais puisque nous avons Daniel, on va le prendre tout de suite et on va écouter Daniel. Bonsoir Daniel, comment allez-vous? Très bien. Alors bonsoir Monsieur Abbassi. Donc je tiens tout d'abord à vous remercier pour la qualité de vos émissions, pour votre grande érudition, pour votre, comment dirais-je, implication dans beaucoup de choses et votre courage. Alors c'est vraiment, j'admire le personnage que vous êtes. Merci. Bien, après ces compliments, merci. On vous écoute. Je voudrais revenir sur... un point intéressant, ou même deux points, soulevé par votre invité tout à l'heure, président de la Chambre du Sénat. Il a fait une remarque à propos du Premier ministre Jean Castex, hein, en disant que celui-ci ne parlait pas d'un certain nombre de problèmes ou de projets pour la France et se concentrait uniquement sur... le problème du coronavirus. Ben je l'approuve entièrement parce que un Premier ministre, son rôle, c'est de parler de l'économie de la France, des projets de la France, des problèmes de la France, et puis de donner un espoir, on va dire, aux Français dans bien des domaines, parce qu'on entend sans cesse des milliers de licenciements, d'usines ou de grandes entreprises qui sont en train de fermer, de milliers d'emplois qui disparaissent, mais aucun projet de remplacement. Alors, je prends un exemple, quand on nous parle d'Airbus qui a des milliards de déficits,
ah, il pourrait peut-être, enfin, je ne sais pas, c'est vraiment juste peut-être une bêtise, mais on pourrait peut-être dire, ah ben on va dans le futur, on va fabriquer des avions, mais qui ne seront pas de 600 places, mais qui seront de 300 places. Donc, il y a quand même un avenir dans ce domaine. Non, on ne parle que du coronavirus, comme si le Premier ministre était le chef d'orchestre de, je ne sais pas moi, d'un hôpital. Bon, la France est peut-être un grand hôpital à ciel ouvert, je veux bien, mais quand même, je n'ai jamais vu un Premier ministre aussi, je ne veux pas dire incompétent, parce que je ne connais pas ses compétences, donc ça sera un mot un peu lourd, mais aussi invisible sur les projets économiques et les problèmes économiques et financiers de la France. Voilà. Donc j'approuve entièrement la remarque de votre invité. Et puis une seconde remarque qui était intéressante aussi de sa part, disant que, bah oui, on trouve même le gel hydroalcoolique dans les bureaux de tabac, bah, tout le monde peut comprendre que, évidemment, c'est un grand business mondial qui s'est mis en place avec bien d'autres projets beaucoup plus dangereux derrière. Et je voudrais juste attirer une petite attention sur un point précis, qui est ce projet de passeport vaccinal. Il y a un an, parce que je lis beaucoup de choses, et il y a un an, j'avais vu passer une photo de passeport carnet vaccinaux qui était déjà fabriqué par une entreprise en Suisse, mais en fait l'origine de l'entreprise, était le siège était à Singapour ou quelque part par là. On ne savait pas qui était derrière, bien évidemment, mais les brevets de ces passeports vaccinaux étaient déjà déposés, le modèle déjà fabriqué il y a un an, quand on n'avait même pas encore de vaccin. Enfin, officiellement, voilà. Donc, on se demande quand même s'il n'y a pas des éminences grises, manipulatrices derrière tout cela. Voilà, j'ai fini mon propos. Merci, chère Sylvie. Merci beaucoup. C'était très riche, très intéressant. Non, pas Sylvie, Daniel. Ah, Daniel, excuse-moi. Oui. Pardon, Daniel. Toutes mes excuses, Daniel. Merci beaucoup. Merci. Merci, Daniel. Vous avez la parole. Je vous remercie, Miss Daniel. Enfin, je vous remercie aussi la qualité de vos interventions et vos savoir-faire. Et dans cette affaire coronavirus, tout ce que Daniel elle a dit, c'est très important. Vous voyez, il n'a pas parlé beaucoup, mais peu de temps qu'il est consacré à notre antenne, il a dit des choses formidables, formidables. Par exemple, Jean Castex, vous savez que lui, avant qu'il devienne Premier ministre, il était monsieur Covid-19. C'est lui qui l'a géré en cachette, premier confinement de 2020, à l'époque qu'Edouard Philippe était encore Premier ministre. C'est pour ça, dès le départ, il était dans le coup, c'est un spécialiste dans ce domaine, il est entré pour gérer Covid-19. Mais de l'autre côté, vous avez tout à fait raison, la question est énorme. Et je te remercie beaucoup, Daniel, de confirmer les propos de mon invité, M. Jean-Philippe Biron, directeur, ex-directeur de Chambre et Sénat. C'est quelqu'un qui, lui aussi, il a courtoyé beaucoup de gens de haute autorité mondiale, nationale. Sa femme aussi, c'est une grande artiste américaine. Et j'ai beaucoup de respect pour sa femme aussi. Elle a donné des expositions formidables. À l'époque, on pouvait aller à droite, à gauche, et visiter tout ça. Mais tout ce qu'il il a dit, Jean-Philippe Biron aussi, c'est très intéressant, parce que c'est un savant. Vous savez, la première lumière concernant ça, c'était le livre qui était diffusé en 2000. Il parlait de 2020, et il parlait de quoi? De cette histoire de coronavirus. Cette histoire qui était déjà écrite et programmée. Les yeux des ténèbres. Ce bouquin-là, c'était écrit en
2000. Et c'est Jean-Philippe Biron qui m'a envoyé les documents l'année dernière à ce sujet. Et c'est une grande lumière. Après, le monde entier a parlé de ça, de cette histoire. Vous avez tout à fait raison. Les gens qui gèrent cette affaire-là, c'est des gens, ils ne pensent qu'à l'argent. Gagner de l'argent. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Mais une chose que je suis sûr et certain, voilà, je vais vous dire. Pour sauver votre peau, je vais répéter encore, il faut vacciner parce que sinon, on va mourir. Ça, c'est autre chose. Alors, mais je ne vais pas vous dire de ne pas vacciner, pas être. Mais une chose que je vais vous dire, cette histoire, c'est le peuple qui va le gagner dans les années qui viennent. C'est-à-dire la mondialisation depuis des milliers d'années, on a essayé de créer un gouvernement mondial, mais ils n'ont jamais réussi. Toujours il y avait des problèmes. Toujours il y avait des problèmes. Cette fois-ci aussi, ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas arriver jusqu'au bout de l'affaire. Mais en attendant, il ne faut pas vous laisser partir et mourir. Regardez, nous sommes en guerre, comme Macron l'a dit dès le premier jour. Alors, quand il y a la guerre, si toi, de toute façon, quand il y a la guerre, il y a le risque de deux côtés d'être mort, assassiné, perdre la vie. Alors par contre, pour ne pas perdre la vie, il faut se protéger dans la guerre. Il faut se protéger. Actuellement, la protection, c'est cette vaccin, il y a énormément d'histoires sur cette vaccin, et ils ont raison, ils ont raison. Mais quand même, puisque vous êtes en guerre, il faut prendre le risque, vous voyez, le risque, c'est autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez là, ce que je vais vous dire ou non, mais de l'autre côté, de toute façon, Black Rock, j'ai diffusé une émission, regardez qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a investi, où est-ce qu'ils ont investi, et beaucoup d'autres choses. Monsieur Bill Gates, Dr. Bill Gates, il n'est plus le directeur de Microsoft, vous ne le saviez pas, non? 5 fois j'ai dit sur cette antenne. 5 fois. Vous ne le saviez pas. Ça fait depuis mars dernier. Nous sommes au mois de mars, exactement, il y a déjà un an, il a démissionné de Microsoft. Mais il est toujours propriétaire, hein? Mais il n'est plus le PDG, le patron, le décideur, vous voyez, décideur, mais il le sépare dans cet établissement d'entreprise. Et il est actuellement directeur de United Gilead. United Gilead, c'est quoi? 666. C'est le numéro de l'immeuble à Wuhan. C'est un laboratoire, etc. Allez-y, faites de la recherche. J'en avais parlé sur cette antenne. Je ne vais pas répéter. Maintenant, il est dans la vaccination. Il est dans voilà. Et en plus, n'oubliez pas, là, cher Daniel, il vient de parler de gel et de masque. Ça, c'est des centimes par rapport à des milliards qu'ils sont en train de gagner grâce à vaccin. Et autre chose que je vais vous préciser, M. Jean-Philippe Biron, il nous a dit qu'un délinquant, en France, qui surveille seulement les policiers, et il informe ses camarades d'arrivée de policiers, il gagne 600 euros par jour. En Chine, un travailleur, il gagne moins de 2 euros. Maintenant, c'est 2 euros 10. C'est-à-dire, le salaire d'un an, c'est très important, salaire d'un an d'un travailleur chinois, un délinquant, ici, il gagne dans un seul jour. Alors, j'ai déjà dit, je précise, capitale de la mondialisation, n'est plus l'Amérique, n'est plus Washington, Londres, Paris, c'est Pékin, c'est la Chine. Et tous les chefs de la mondialisation, pour la plupart, ils ont des femmes chinoises, des maisons, passeports chinois, et ils sont installés en Chine, en même temps qu'ils fabriquent là-bas, mais ils sont en Chine aussi. Mais ils ne vont pas réussir ce qu'ils ont programmé, puisque déjà il y a la guerre entre eux qui a commencé. La semaine dernière, je vous ai dit quelque chose,
vous n'avez pas peut-être fait attention, c'est ça. Elon Musk, il est actuellement en conflit avec le camp de Bezos et Bill Gates. Comme cette guerre en cachette existait à l'époque entre deux associés, Steve Jobs et Bill Gates. Ça existait cette guerre, mais on n'en parlait pas, on ne disait pas. Mais les journalistes, ils savaient. Quand on regardait des émissions, des interviews, des rencontres qu'il avait de copains, on voyait que, puisque vous savez, Steve Jobs était d'origine syrienne, c'était un arabe syrien. Son père avait un nom arabe, et tout ça, mais M. Jobs, il l'avait adopté, et lui, il empruntait le nom de celui qui l'a adopté. Enfin, il avait une différence culture entre deux hommes et différente de vision aussi. Et cet problème différent actuellement existe entre Elon Musk, patron de Tesla, Elon Musk qui vous savez, il a fait aller sur l'internet voir chercher le 10 inventions que lui il a fait par rapport à ce que l'autre il a fait, les autres ils ont fait. Alors Elon Musk, il y a déjà quelques jours, une dizaine de jours, il avait publié une photo sur son page d'Instagram. Et dans cette photo, il montrait comme quoi Bill Gates, son copain, associé, ils sont dans le même clan, économie. Bill Gates et Jeff Bezos, il les avait dessinés comme le diable, comme le mal, comme l'axe de mal, et lui-même, Tesla, Elon Musk, était positive, était le bien, était le blanc. Les deux étaient des noirs. Noirs, enfin, il avait dessiné une bête noire. Et lui, il était blanc et il parlait de cette guerre. Le jour qu'il a diffusé ça, une semaine après, il a perdu 15 milliards de dollars, Elon Musk. C'est la guerre entre les clans de la mondialisation. 15 milliards de dollars, il a perdu. L'année dernière aussi, il avait perdu énormément d'argent, Elon Musk, mais c'est George Soros qui a voulu le sauver. Ils ont fait des transactions financières, et tout d'un coup, il a monté. Maintenant, Soros n'est pas comme avant, c'est son fils qui a pris la place. Il a 100 ans, presque 80 et quelques, 95 ans, 16 ans. Alors, on va voir jusqu'où on va y aller. Jusqu'où on va y aller. Vous avez vu comment il est mort, et Steve Jobs. Si vous ne l'avez pas vu, regardez comment il a fini sa vie, et Steve Jobs, comment il est parti, il a dit au revoir de ce monde-là. Pour ça, la mondialisation, le projet qu'ils ont écrit, puisque déjà la guerre entre eux a commencé, ne veut pas arriver à bout, ne veut pas aboutir. C'est pour ça, permettez-moi de vous dire, puisque je vous dis tout ça aussi, je vais vous dire. Moi, je pense, s'il y a certains lentement dans les actes, certains actes en France, c'est puisque Macron, il va voir comment ça va passer. Quel sera demain? Vous voyez? Quel sera demain? Tout de suite, il ne va pas dire, OK, nous aussi, on va prendre 50 millions de vaccins, faites la cohérence. Vous voyez, il cherche de trouver d'autres solutions, malgré que la mondialisation, n'oubliez pas, David Abbassi nous a diffusé sur cette antenne les propos de Giuliani, André Giuliani, avocat de Donald Trump, ancien maire de New York. Une personnalité assez forte mondialement. André Giuliani, il est fort. Lui-même, il a parlé, il avait, s'était interviewé par la chaîne de Arte. Non, pas Arte, RT, Russie Today. Et là, il parlait comme quoi la mondialisation, et il citait le nom de patron George Soros. Il disait, ces gens-là, ils ont commencé de l'université depuis 40 ans. Lui, il dit, Giuliani, maire de New York, conseiller, avocat de Donald Trump, président des États-Unis, le pays le plus fort dans le monde. Ce n'est pas moi ou toi ou Jean-Philippe Biron. C'est Giuliani qui l'a dit. Je l'ai diffusé la voix avec
traduit en français sur cette antenne, vous allez voir dans nos archives. Il a dit, la mondialisation, il fabrique des étudiants boursiers. Après, ces étudiants, ils vont devenir des avocats, ils vont devenir des juges, ils vont devenir des gouvernants. Quand il dit gouvernants, c'est par effet des choses comme celles des États-Unis. Après, ils deviennent sénateurs, ils deviennent ministres, ils deviennent présidents, lui-même. Hein. Et il a donné l'exemple, et comme quoi Obama, qui était avocat, sa femme était avocat, tout ça. Ah, Obama, s'il n'avait pas le finance de la mondialisation de Open Society, il n'aurait pas gagné. Et après, moi je vous ai dit, Soros, il a juré qu'il a mis plusieurs milliards, ou peut-être un milliard et quelques, pour faire chuter Trump et mettre en place Biden, il a gagné. Il a fait ce qu'il a voulu. Il avait dit même avant. Pour ça, cet système, le système de la mondialisation, il est très fort. Mais n'oubliez pas, quand un général, il ne peut plus travailler comme avant, l'affaire ne va pas être gérée comme avant. C'est-à-dire, vous faites n'importe quoi. Si le directeur, le patron, le fondateur, il part, celui qui lui vient, il ne peut pas faire 100% comme l'autre. De temps en temps, ça, il fait mieux. De temps en temps, il fait pire. C'est pour ça cette guerre que je vous ai dit, que vous, puisque vous partez, vous dites que vous n'avez pas l'Internet, même si vous avez l'Internet, vous ne faites pas des recherches. Il faut faire des recherches. Par exemple, j'étais en train de vous diffuser l'interview de journaliste des scandales de Mediapart, M. Fabrice Arfi. J'ai coupé par Daniel, j'ai pas le temps de le rediffuser. Oh, vous devez aller faire des recherches. D'où est-ce que ça crée tout un coup des gens qui vont aller chercher seulement chez une personne, chez un clan, chez un. Et pour la plupart des fois, c'est les clans de droite. C'est pour la plupart des fois, c'est la droite qui a été chutée. Puisque de l'autre côté, c'est la gauche. C'est la gauche. Pourquoi c'est la gauche? Puisque dans la philosophie de ce système, là, un jour, même ils ont écrit, mais enfin, j'ai étudié la philosophie, Dans cette philosophie, il dit toujours, si tu veux gagner, si tu veux que tes idées gagnent, il faut prendre côté de pauvre, côté de gauche. Quand tu prends côté de gauche, tout est gagnant. C'est pour ça que Lénine, il a gagné. Mao, il a gagné. Bah, il a pris son père, mais Mao, il a gagné. Fidel Castro, il a gagné. Combien de temps Gaddafi était au pouvoir? Gaddafi, il a gagné. Il était socialiste. Ce n'est pas contre des socialistes que je suis en train de parler avec vous, non. Je suis en train de vous informer. Le camp. Par exemple, George Soros, il est mal vu en Israël. Une grande partie des Israéliens sont contre lui. Pourtant, il est juif aussi. Mais ils sont contre lui. Benjamin Netanyahu est contre lui. Énormément, il a investi contre Benjamin Netanyahu. Et adversaire de Benjamin Netanyahu, qui est actuellement dans le gouvernement, il est soutenu par George Soros, par la mondialisation. Mais Benjamin, il a réussi de rester au pouvoir. Il était plus fort. Une personne, il était plus fort que la mondialisation. Et pour la plupart des actes anti-Israël que vous voyez dans le monde, c'est géré par le Open Society. Pour nous parler des actes, vous ne le savez pas. Les islamistes dans le monde, Morsi qui a pris le pouvoir en Égypte, c'est la mondialisation. Parce qu'il doit le contrôler. Et il peut le contrôler par, quand il y a les masses avec lui. Les masses qui soient musulmans, qui soient socialistes, qui soient communistes, c'est les masses. C'est les masses qu'il peut le ramener dans la roue. Vous voyez? Enfin, c'est compliqué, on ne peut pas tout dire dans quelques minutes. Hein. Mais c'est comme ça, mes chers amis. C'est comme ça. Permettez-moi de vous embrasser et vous souhaiter bonne santé. Je vous souhaite bonne santé pour tout le monde. Hein. Et l'amour, la paix mondiale. Aujourd'hui, je suis très content. Au moins, une chose que les ayatollahs, malgré leurs idées, ils l'ont fait, c'est quoi? C'est la paix. En Israël, Israël-Palestine, c'est terminé. C'est terminé parce que ça s'est arrivé ici chez nous. Chaque soir que j'avais une émission, depuis 40 ans, on était en train de parler de pastèques, de poivrons,
Alors, on était en train de parler de orange, et tout un coup, on parlait nous de banane, tout un coup, on ramenait les Palestiniens dans le débat, etc., etc. Mais c'est fini. Maintenant, tout le monde, tous les Arabes, ils ont fait la paix avec Israël. C'est terminé. Mais pourtant, de l'autre côté, il faut voir la mondialisation, c'est quoi. Et ça, tout ça, vous ne pouvez pas... Mais je veux vous remercier beaucoup. Vous êtes tellement intelligent, tellement riche dans les pensées. Cette radio, grâce à Didier Doplège, depuis 40 ans, vous donne la parole et ça devient comme une université. C'est-à-dire, les informations que vous avez, vous le diffusez, dispatchez avec les autres. Nous aussi, ce qu'on a, on vous donne, ça fait l'université, les étudiants, les professeurs, tous sont étudiants, tous sont professeurs. Et on apprend des choses jour après jour. Et moi, je suis fier de tous les gens qui nous écoutent, qui interviennent, même les gens qui nous écoutent, qui n'interviennent pas. Et à la fin, je veux encore remercier M. Jean-Philippe Biron, mon ami de 30 ans, l'ancien directeur de Chambre et Sénat. Et toujours quand on parle avec lui, comme vous toutes et tous, c'est très très riche, vos interventions. Je vous embrasse toutes et tous, et encore je vous remercie. J'embrasse Didier Doplège aussi, notre président, mon ami. Je vous dis à très bientôt, mes chers amis. Restez à l'écoute de votre radio. Votre radio, c'est quoi? C'est ici et maintenant. Ici et maintenant.